tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 1er juin. Il fait très beau, donc ça, ça fait du bien. Voilà, alors, j'espère que chez vous aussi, il fait beau. Moi, je suis très contente parce que je suis à jour dans tous mes échanges. Voilà, il ne me reste plus que les courriers de remerciement aux filles qui ont participé au concours marque-page à préparer et envoyer. Donc je vais faire ça ce week-end et ça partira lundi. Comme ça, je serai à jour dans mes échanges et dans mes envois. Ça, c'est cool, je suis hyper contente. J'ai eu du mal à me mettre à jour, mais voilà, c'est fait, donc trop bien. Je suis trop contente. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture de courrier. Donc, j'ai reçu d'abord un courrier de Muriel M. Donc, on va ouvrir ça. Je pense que c'est pour le concours. Voilà. Je pense, puisque Muriel, elle participe à tous les concours. Donc, je pense que ça doit être ça. Comme vous le voyez, elle a fait son enveloppe elle-même. Comme toujours. Moi, j'adore recevoir comme ça. Elle a vraiment pris le temps de tout faire. C'est top. Moi, franchement, j'aurais pas le courage de tout faire de A à Z. Donc, on l'ouvre. C'est bien collé hein, avec du double face. Donc. Alors. Ah, je sais pas si c'est pour... Ah, si. Ah, oui. Oh, trop belle. Oh, j'adore ces petites poupettes. Moi, j'en ai plein aussi. J'en ai acheté plein de ces petits tampons. Moi, je les achète en digital. Et franchement, j'adore. Et la carte est trop belle. Et ça, la découpe en forme de fleurs. C'est trop beau. Elle a fait ses fonds elle-même. C'est magnifique. Même la colorisation du feuillage et tout, c'est trop, trop beau. Bah, je vous montre. Regardez. Oh, je vois le mot derrière. Une petite création style Stéphanie. Bah ouais, je comprends pourquoi tu dis ça. C'est à cause des feuillages, non? Je m'en doute. C'est très beau. J'aime beaucoup. Elle est très, très belle. Ouais. Et Muriel, j'adore parce qu'elle fait tout elle-même. Vous voyez, elle a fait une petite pochette. Donc, alors, comment c'est fait? Ah oui, d'accord. Donc, elle a pris un rond comme sa carte. Ah, attendez, parce que j'ai pas envie de faire de conneries, de tout démonter. Ouais. Elle a mis de la dentelle et un petit ruban pour faire un petit passant comme ceci. C'est très beau ça. Ah oui, c'est scotché, mais moi bien sûr j'ai tout décollé. Voilà, qu'elle a collé en bas et elle a laissé en haut ouvert. Et comme ça dedans, elle peut glisser les petites choses. Ah, attendez, je vais vous mettre sur pause de seconde. Excusez-moi. Donc, dans cette petite pochette, je vous disais, elle m'a mis plein de die cuts. Moi, j'aime bien. Alors, ça, c'est une petite vache. Alors, ça, c'est top, ça. Voilà. Très rétro. Une petite étiquette comme ceci. Les petites moustaches. Des bougies. Un cœur. Ça, qu'est-ce que c'est ? Un bouquet de, je sais pas, dans un vase. Un petit rond comme ceci. Une petite table comme ça. Encore un rond. Des petits mots comme ça. Comme ça. Petite étiquette. Un petit polaroid. Encore une petite étiquette. Ouais. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça représente quoi? Je sais pas. Un rond. Oh, des poissons. Je reçois des messages et... Enfin, je vais répondre. Hop. Oh, celui-là est beau. Hop. Une pâte ou un morceau de fourrure, je sais pas trop. C'est trop bien ça. Et ensuite, oh, celui-ci, j'aime pas. Je vais vous montrer ça. Alors, là, il y a un petit singe. Hop. Il y en a un que j'aime pas, je vais vous montrer. C'est pas beau. Vous avez des petits pots avec des petites plantes, un bouton, un cœur. Et regardez ça, c'est pas beau ça. Une grosse mouche. Bleh. Et voilà. Donc, Muriel, un grand merci. J'aime beaucoup. C'est top, 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 top.
Donc, Muriel, on garde l'enveloppe. Hop. Parce que je garde les enveloppes pour, vous savez, vous envoyer après. Ensuite, j'ai reçu un courrier de Myriam. Bon, c'est aussi pour le concours. Non, pourquoi je jette l'enveloppe? Même si je marque sur le papier, je garde quand même l'enveloppe. Comme ça, ça m'évite de... de vous envoyer des mails si je perds l'adresse ou quoi que ce soit. Donc, Myriam, numéro 7. Bon, bah, Myriam, c'est la base. Elle participe tout le temps. J'adore ce qu'elle fait. Elle m'a fait une petite gorgeous. Alors, j'ai pas... j'avais ouvert l'enveloppe, mais j'ai pas ouvert le courrier. Oh, c'est beau, son embossage sur la carte, là. Magnifique. Regardez. Hop, petite gorgeous. Trop mignonne. Bah oui, ça me plaît, hein. C'est... Bah ouais. Je te mets quelques découpes de feuillage car je sais que tu aimes ça. Bah oui, Myriam, tout le temps. J'adore. Trop beau. Moi, je vais très bien en tout cas. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Donc, bah, les découpes, je vous les montre pas, hein. C'est la base. Ça va aller dans ma boîte où il y a toutes mes découpes de feuillage. Parce que j'adore ça. Blanc ou colorisé. Pour moi, si une carte elle a pas de feuillage, franchement, pas de feuillage, pas de fleurs, pas de brillants, c'est voilà. Donc là, en tout cas pour moi, ce que je fais. Hein, après, parce que des fois je reçois des cartes où il n'y a pas de feuillage, il n'y a pas de brillants, il y a et c'est magnifique. Hein, mais moi, je ne sais pas scraper sans. Moi, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, merci beaucoup Myriam, voilà, comme d'habitude, ma Myriam, Muriel, on a les habitués, c'est top. Et j'ai reçu, donc ça c'est un échange ben, que moi j'ai pas encore préparé parce que ben, on vient de la voir, mais bon, la personne a été très rapide. C'est le défi des ATC alphabet. Donc elle m'a fait une petite carte, Véronique, elle s'appelle ouais, Véronique. On m'a fait une jolie carte. Donc, il n'y a pas de petits mots. Ah non, elle a marqué le petit mot sur un post-it. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est la carte déjà est très, très jolie. Elle m'a mis trois petits bouts de... Alors, ce n'est pas une enveloppe où on va trouver beaucoup de petits plus. Parce que c'est vrai que ça vient de Belgique. Et ils ont sûrement, je pense, des frais de port... peut-être plus que nous, je sais pas. Mais c'est vrai que quand on reçoit des courriers, de, bah, c'est normal hein, un peu. Il faut voilà, se mettre à la place des gens. C'est pas toujours évident. Donc voilà. Alors, on a là, c'était G-H-I. Ouais, parce qu'on a reçu déjà. Donc, G, elle m'a fait la girafe. Très belle. Très, très belle. H horloge. Alors moi j'avais eu l'idée horloge, mais du coup je vais pas lui faire horloge, je vais trouver autre chose. Voilà, horloge et I indien. Indien. Il est très beau. Regardez, elle a fait une petite fenêtre et hop, un petit indien derrière. Très sympa, j'aime beaucoup. Ils sont très très beaux. Donc ça vaut que je le garde pour faire la photo pour mettre sur le groupe. L'enveloppe, je peux la jeter parce que j'ai le message en message privé. Et donc voilà. Bah écoutez, ces trois petits courriers qui m'ont fait bien plaisir. J'adore recevoir du courrier. Rien que la création déjà, quand on voit, c'est magnifique. Moi, je suis toujours étonnée par votre créativité, vos idées. Chapeau. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie toutes. Je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.